Xavier Bertrand. Où en êtes-vous sur ces projets de garde d'enfants? Ça sera l'un des projets majeurs du quinquennat. Le droit c'est à la garde. Logement aussi. Les deux. Ah, c'est mignon, vous, c'est beau. Bravo. On a dit qu'on devait rester courtois. Vous voyez bien qu'on marche sur deux jambes, le logement, les modes de garde. Non, ça sera l'un des enjeux majeurs parce que chacun est ravi de voir la natalité française se situer au meilleur niveau européen. Très bien. Je veux que ça dure. Ce que nous voulons, c'est qu'en 2012, par exemple, c'est ce qui va être défini dans les contours du droit à la garde d'enfants, une femme qui travaille ou une femme qui cherche un travail doit avoir obligatoirement une place pour la garde d'enfants. Et là, encore une fois, donner les conditions du libre choix. Soit une place en crèche, soit une place d'assistante maternelle. On n'a pas imposé, nous, le mode de garde. On fait quand même face à une difficulté aujourd'hui qui est la diminution de l'accueil en école maternelle. Moi, je me rends compte qu'avant, on accueillait quasiment tous les enfants qu'ils désiraient à 2 ans. Aujourd'hui, on les accueille plutôt à 3 ans, 3 ans et demi. Avec quand même une vraie question. On a réduit le taux d'accueil de 30%. Est-ce que la place de l'enfant est à la maternelle? Non, mais ça, je dirais, en dehors de cette question... Oui. J'ai quelques craintes sur le devenir de l'école maternelle. Mais non. Je ne les ai pas exprimées toutes. Mais non.